Nous avons fait un foire sectoriel. C'est le premier numéro. Nous avons un éleveur qui est un éleveur. Wa Djabel mom ben jeune passionné bu deuk Thiès nek commerçant di yeungu ci métier bu ñu wax commerçant bon bolé ko ak ligéy yu xari quoi vraiment gis nga indi fi 5 sujets yi doy wa duñu def rek luddul laaj la ci biir exposition bi nga def soit sélection bi ak lan motax nga sélectionné xar yi bon yi nga sélectionné soit bi d'abord waaw Khassim waaw dañu ñëw ci secteur bi pour préparer salle Adam bi. Parce que ça, Adam, je suis venu dans mon secteur. C'est le règlement Adam. Vraiment, nous sommes avec un jeune mâle, si vous connaissez. Un jeune mâle, si vous connaissez, nous l'avons recruté à bas âge dès son naissance. Quand il est venu, une semaine, nous l'avons recruté. Il a 15 mois, il est un enfant griffier, il est un enfant Picasso. Voilà. Bon, à part lui, il est venu dans la petite bergerie. Voilà. Nous pouvons dire que le jeune mâle, moy recruté bi mom nga recruté gis nga bu ngeen xolé bas bi da ngeen koy gis muy xar bo xamné soko xolé sa xel da fay dal muy xar bu rafet bolé dolé LCS esthétique mais tay gis nañ ni Djabel amna yenen mal keureum mais pourquoi nga porte ce choix ci indi mal bi ni wax océan pour mu accompagner xar waaw Khassim océan mom instant mo fa nek mal titulaire lolou motax quoi moy titulaire bi quoi wa lolou motax ñu porter sunu choix pour indi ko ci secteur hier bi quoi voilà Nga indi won océan océan tolu ci 15 mois nga accompagne ko ay famille yi doy war est ce que tay meun nga ñu defal présentation 4 famille yi nga xamné ya ngi leen indi té né nga déjà ya leen juddul sa bégé leen juddou waaw Khassim bon comme man ni may faral di élever rek avant océan dama yoron ben mal bu ñu wax golden pratiquement mom meñ xari voilà mom la yoron liggé ci base de famille wuti océan pour té ko ci domou golden pour améliorer élevage quoi voilà ki ni domou golden la mom mi ngi ci deuxième portée voilà voilà donc batay rek ñu ngi ci sectoriel bi tay ñu gis ni sectoriel bi tay ñu gis ni tay sectoriel bi dafa am équipe bu bess bu ñew muy fallu and ak équipe am bi yu nek sen premier sectoriel tay bo ñewé bi nga xolé liguey bi nga xamné def nañ ko bi nan nga apprécier liguey bi nga xamné def nañ ko sectoriel wa organisation mom di len jaajeufal parce que foire mom lima ci ñëk sentir moy amna espace yaatuna box yi mom fo bëgg dem di nga dem te do laccé quoi c'est bien organisé vraiment ñu ngi leen di jaajeufal di leen massaw choono parce que liguey aussi boko sékk ak say morom nawlé ñu jël ko tek ko soy loxo nga ji def liguey bu rafet bon ñëpp war nañ la wax jaajeuf vraiment ñom mom chapeau à l'adam quoi vraiment toute l'équipe voilà la batay ñu ngi fi ci bergerie wa keur seigne saliou mais su ngeen xolé ñu ngi nekk ba Thiès vraiment cité khadim villa numéro 393 kon duñu def rek dulul jall directement rek ci présentation bi kon Djabel voilà Khadim Khassim ñing leen ni présenter bon ben femelle elle a 25 mois wa mi ngi ci deuxième portée mom def na deux portées bon ki suñu produit la ñun ñoko juddulé aussi ci bergerie ba voilà mom dañ ko bolé ci xar yiñ bëgg sélectionner ci secteur hier bi quoi voilà Djabel kon xar bi bokk na est ce que bokk na ci xar yi nga xam na ko wara évaluer bon doit dañ koy évaluer pour sélection qualification mom voilà mais mom ay macération vraiment ñun xam nañ ko parce que élevage de prestige lañu def xar bu ci né macération bo am rek xam nañ ko quoi vraiment on yow da nga yor matériel ci kër effectivement matériel yi ni naté xar yépp da naka am nañ ko ci kër gi quoi ci bergerie ba d'accord kon duñu def rek dem ci deuxième sujet est-ce que ki bokk na ci xar yi nga wara évaluer waaw Khassim bon suñu deuxième bête bu ni évaluer diko présenter mo nek ni qui aussi sunu produit la ñoko juddulé quoi voilà mom elle a 13 mois xam nga par catégorie lañu duggal quoi dañu duggal femelle bu mag duggal bon catégorie espoir parce que mom bon déclenché gul sax parce que elle a 13 mois mais dañ koy soralé comme espoir rek présenter ko quoi voilà bi moy sun deuxième sujet bu ñu duggal comme ki quoi ñu wara évaluer ñu wara évaluer voilà d'accord okay. Mais dafa mel nak robe noir dañ ko bëgg bon xari ñoko indalé hein parce que ki bon yaam noiru papam noiru même kon ñu dem ci suñu 3e sujet wala bok suñu 2e sujet 3e sujet voilà Djabel ki dafa melni agnel
Wa Khassim ki agnel la. Elle a 10 mois. Mon premier sujet bi ndugalon mom moko jur. Kon mom yaayam ci bergerie la juddo, mom ci bergerie la juddo. Voilà, produit le quoi. Puis mom 100% sun produit le quoi. Voilà. Mom aussi moy 3e xar bu ñuy dugal ci évaluation yi quoi. Mom ci évaluation yi la bok. Voilà, kon ñu dem jël suñu 4e xar inshallah. voilà donc l'une bataille rek ñu continuer ci présentation bi ki nak mom moy océan mu am 15 mois mom lañ nek di présenter ni mais Diabel ki xana bokk na ci ñi waaw bon ki est vraiment xar la bo xamanteni ni mo nek géniteur bi ci kër gi comme donc mom lañ duwal comme suñu 4e sujet bu ñuy évaluer quoi ci secteur bi. Waaw mom bon xar la bo xamanteni je l'ai acheté à Baaz dès son naissance danaka la ko jëndone presque une semaine mu juddou la ko jëndone parce que wonona ma lo xamanteni ni ta xamna ay arrière parents ak ay parents yo xamanteni vraiment xamone na ni dal bon dina xaw mel ni dal wa yaakar won na dal voilà mais ci juddou bi lan mo la gënon impression mom ba tax nga choisir ko mom wa mais Khassim xam nga élevage mom lepp lo ci mëna wax rek génétique la quoi parce que ki bo doy xol dano jël rafetna mo jur bien sûr suma djumul bien sûr ñu jël ko tek ko ci magistrat mu jur bébé umi ñu jël bébé umi tek ko ci Picasso mu jur yaayam budé côté papa am greffier la greffier batonier moko jur batonier aussi magistrat moko jur kon xaru élevage la dal vraiment xam nga lo mën ta wax xaru élevage la té bimu juddo aussi wané nako bimu juddo aussi wané nako amna xar yo xamni mom dinañ tol fofu da ngay xaar mais su démé ba ag ci en Asie. Bon, li nek ci ñom dina feñ quoi té mom yaakar na dina gëna feñ sa inshallah ñaan yalla yalla def ci jamm rek ba lepp luñ ci yaakar mu am quoi. Donc lin gis nga lool mo nekkon présentation bi en tout cas man yëmuna ci xar bi nga xamné boko xolé xol boursalum da nga nan ben la amuñu différence da nga nan ñom ñoo bokku nday ak bay wala ay cheikh lañ wala xam nga xari mom ñoo bokku rek xam nga Picasso mom bon benen affaire la bon gaay bari nak yex nañ ko xam mais benen affaire la dal xamna dal liguey na ci élevage Picasso c'est un géniteur hors pair vraiment bon bergerie mom mi ngi sama kër fi ma kër à Thiès quartier bu ñuy wax cité Khadim bon yaakaarna Thiès mom ku fa dugg rek bo né cité Khadim ñu bari xam nañ ko ma ngi def bergerie au niveau de 2e étage xari fa la nek bon ñu def ko bergerie bo xamanteni c'est moderne xari bon elle nek nañ ci condition bu baax vraiment. Voilà, ñi ngi dëkk ci cité Khadim. Numéro de téléphone bi moy 77 523 66 51. 77 523 66 51. Parcelle numéro numéro 393 ci cité Khadim. Voilà, comme ñu ngi leen ko waxé rek donc koku mo nekkon Diabel nek cité Seigne Saliou nek Thiès vraiment def liguey bu am solo liguey bu moderne. Kon Diabel duñ def rek dul baye la nga defal ñu présentation 5e xar bi waaw waaw 5e xar bi mom mo évaluer bo leñu ko ci xar yi ni évaluer parce que dañuy indi par catégorie lolu motax té mom aussi femelle adulte la bon amna 21 mois dafa déclencher comme que amna ben femelle bu am 25 mois ñu baye ko mu dem té ñom ñaar ben la parce que ñom bok papa quoi yoy yeb suñu produit la quoi voilà non la démé kon Diabel mën nañ wax lan ngay tagoto tay ba yeen di len sante di len gëreum rek di nuyu éleveur yeb vraiment di gis ni sen taxaway rafet na depuis demb ci goudi bi exposé ba paré bon wallahi azim yalla xamna ni ñu bari ñi ngi ñuy wo di apprécier élevage liguey rek mo am solo dal té tek ko ci xam xam tek ko ci génétique mom ak li nga momul nga ci xam li ngi ci wax té pé azu xari bon wañi bi ak yoy amul njëriñ parce que légui ñëpp comprendre na légui ci nek dal nan koy wax di len sante di len gëreum di len jaajeufal di nuyu sa cameraman bi Lin Bay vraiment mom tamit ligueyam ci élevage ñëpp rañé nan ko demb ba 3h 5h du matin ma ngi gis ci foire bi da fo war am ci Sénégal aussi bo démé fé ko fa ñi ngi leen sant di leen gëreum di leen jaajeufal kon daan bu baax jërëjëf. Voilà donc lool mo nekkon premier numéro fi ci foire sectoriel bi di leen jox rendez-vous ci kalam tout ci benen numéro inshallah.